Yo les machines, bon mardi soir. Juste avant qu'on parte ça, dites-moi si le son y est bon, comme normalement on fait un petit check-up. Pour le reste, comme à notre habitude, on passe ça tranquillement avec un 10 minutes facile. Donc il n'y a aucun stress, personne ne va être droppé, que vous poussez 100 watts, 400 watts, on va tous rester ensemble. On est en Stay Together aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment de se dépasser dans l'entraînement en particulier et non de se comparer aux autres. Donc, on passe ça dans 5 secondes. Let's go tout le monde. Bon entraînement. Donc, comme j'ai dit, on commence ça avec un petit 10 minutes facile. Profitez-en pour dire vos bonjours dans les commentaires, encourager les gens dans les commentaires. On prend ça relax pour 10 minutes. Puis on entretient le bon vibe, comme on dit. Donc on a Elliot dans les commentaires qui nous dit bonne soirée. On a Xavier qui nous dit all good, le son est parfait. Merci Xavier. On a Tino qui nous dit bonsoir tout le monde. Allô Adam. J'aime ça quand tu m'appelles la machine. Je pars et finis tranquillement. Yes sir, Tino. Bien content que tu sois ici. On a Jean-François Labonté qui nous dit c'est top. Yes sir, GF. On a Joanne qui nous dit que le son y est bon et que les jambons sont bons. Yes sir, Joanne. Gros training aujourd'hui. Un training de 3 minutes. On a Tristan qui nous dit salut la gang. Salut tout le monde. Donc, on est déjà plus que 50 sur le live. Le peloton est parti, le peloton des mardis, le peloton des mardis machines. Aujourd'hui, c'est le fun comme training, vous allez voir. On va commencer par un bon petit warm-up, puis après ça, on va reprendre la pyramide de cadence qu'on a faite la semaine dernière. J'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui m'ont dit que ça les avait vraiment aidés. Donc, on va reprendre ça, puis on va essayer de faire ça un peu plus en contrôle. Peut-être que la semaine dernière, puisque vous allez savoir comment ça se passe. Et ensuite de ça, c'est vraiment pas compliqué cette semaine. On va faire des 3 minutes. Donc on va faire 5 fois 3 minutes. Meilleure moyenne que j'appelle. Donc l'objectif, c'est de tenir la meilleure moyenne sur les 3 minutes. Donc pas de partir super vite. Notre objectif, c'est que le premier 3 minutes soit aussi fort que le dernier 3 minutes. Quitte à être un peu trop conservatif. Donc, quitte à faire le dernier 3 minutes plus haut que le premier. Ensuite de ça, on va enchaîner avec 1 minute 30 à la même puissance que notre dernier 3 minutes. Donc, juste pour aller travailler encore cette zone-là d'environ 115 à 130%. Donc, c'est ça l'objectif aujourd'hui. Il nous reste un bon 7 minutes pour rouler relax, donc profitez-en. C'est pas mal la seule partie du training qui va être facile aujourd'hui. Donc profitez. Profitez de la sensation de tourner les jambes. Vous allez voir aujourd'hui, mes pulses vont être dans le tape. Je suis assez reposé, je reviens d'une petite épopée de ski de fond. Donc, il n'y a pas beaucoup de vélo dans les derniers jours. On va voir comment le body va réagir. On a Jean Sanson ici dans les commentaires. Jean Sanson, propriétaire de Sanson Groupe Conseil, maintenant dans le groupe Lucie Lavallée. Jean Sanson, un des gens qui permet au Mardi Machine d'avoir lieu. Vous voyez le logo de sa compagnie juste en dessous de moi, Sanson Groupe Conseil. Merci Jean pour ton sport. Jean nous dit un bon training. Donc merci beaucoup Jean. On a Christelle ici qui nous dit bon training à tous. Merci Christelle. Donc il nous reste un peu moins que 6 minutes. Comme normalement, je vous demande une chose. C'est une chose qui est facile à comprendre, mais qui n'est pas facile à effectuer. Je vous demande de prendre toutes vos préoccupations, que ce soit qu'est-ce que vous avez à faire demain? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait aujourd'hui?
qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce qui vous stresse. On laisse tout ça de côté. À chaque fois que ces idées-là viennent nous hanter pendant le training, on refocus notre attention sur nos sensations. Donc, nos sensations du moment. Ça peut être deux choses. Ça peut soit être nos sensations, donc notre respiration, nos sensations dans nos jambes, de se relaxer. Mais ça peut être aussi un focus externe, mais un focus externe qui est précis. Donc, ça peut être nos watts. Ça peut être notre avatar. Ça peut être n'importe quoi qui nous permet de rester dans le moment présent et qui nous permet de se concentrer sur le prochain coup de pédale. On a Xavier ici qui nous demande « C'est quoi le mantra ce soir, Adam? » Le mantra, c'est tout le temps le même. On est content d'être ici, on se met le sourire d'en face. À chaque fois que vous allez être dans une zone un peu plus difficile aujourd'hui, on se rappelle, on sourit, on est chanceux d'être ici. On est chanceux d'avoir la chance de prendre soin de notre corps, soin de notre tête. En même temps, c'est du temps pour nous. Oui, ça va être demandant, puis c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'être satisfait de nous. C'est de repousser nos limites et donc de s'améliorer. Donc, oui, ça va être tough, mais on doit se rappeler que c'est un choix qu'on a fait d'être ici. Donc, soyez contents, il y a une sourire en face. Pensez à vos mantras. Avant les 3 minutes, on va les mettre dans les commentaires. On va être certain de s'encourager. On a Eliott ici. Merci beaucoup, Eliott, qui vient de donner un super chat. Qui dit merci pour les entraînements, la machine, ça me fait super plaisir. Ça prend beaucoup de mon temps, mais c'est des gens comme toi qui me poussent à faire ça chaque semaine, puis j'aime vraiment ça me dépasser avec vous. Aujourd'hui, pour l'invité, on a Charles Ouimet. Pour eux qui le connaissent pas, allez voir sur YouTube, ça va être assez facile de le trouver. C'est un peu différent cette semaine. Charles, c'est pas nécessairement un coureur ou une personne très connue dans le petit monde du vélo. Mais c'est quelqu'un dans les dernières années qui a réussi à faire beaucoup de bruit. Puis, selon moi, fait quelque chose de très intéressant puis produit du contenu de qualité. Donc, j'ai bien hâte que vous entendiez cette conversation-là durant le cooldown. Donc là, j'ai parlé beaucoup. Je vais vous laisser un peu à vous-même. Entrez un peu dans votre bulle. Il me reste 3 minutes. Prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience de vos sensations sur le bike. Prenez conscience de votre coup de pédale, puis restez stable. On respire bien. Ceux qui se demandent, là, aujourd'hui l'entraînement, on s'en va travailler des 3 minutes. Donc ça va nous permettre d'aller chercher pas mal toutes les KOM sur les petites bosses dans votre coin. Au Québec, 3 minutes, c'est pas mal le sweet spot des bosses. Donc c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Ça sera pas facile, mais il y a façon de vraiment bien récupérer entre chaque intervalle. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est pas nécessairement un rythme soutenu qui va être dur mentalement. Ça va être vraiment dur mentalement et physiquement durant les intensités. Mais on va avoir beaucoup de périodes plus relaxes. Donc, ça va vraiment nous permettre de faire un petit reset. Puis, de relaxer un peu. Qu'est-ce qu'on fait rarement au bord d'une machine? Donc, il nous reste 1 minute. Au warm-up. Ensuite de ça, on y va avec notre classique build-up. Donc, pour les habitués, vous connaissez la formule.
Quand je dis up, ça veut dire qu'on transitionne vers une intensité plus élevée. Quand je dis on relaxe, ça veut dire qu'on transitionne vers une intensité plus faible. Ça veut pas nécessairement dire qu'on relâche les pédales complètement. Ça veut seulement dire qu'on transitionne vers quelque chose de moindre. Donc on commence ça dans un petit 20 secondes avec notre build-up. Donc on va commencer à 1 minute à 75%. Une minute à 75%. Hop. C'est nice, les mardi machine. Garantie, ça me tentait pas honnêtement de m'entraîner aujourd'hui. Je me sentais un peu cassé, un peu rouillé. Mais man, ça voir tout le monde en live là, les jambes, je sais pas de quoi qu'ils ont l'air, mais la motivation est là. Donc on transitionne vers une minute à 90%. Hop. Donc là, on a une minute à 105%, hop! Ensuite de ça, on a un 2 minutes facile. Good job. On relaxe. 2 minutes faciles. Good job tout le monde. Premier build-up de fait. On reprend le souffle tranquillement. Puissance au choix. On relaxe. On détend les épaules. On prend notre respiration. On tourne les jambes. Donc, on va encore faire un petit build-up. Notre build-up de puncher. Notre build-up de mountain bike, si on veut. De là, le thème de Emily Batty. Donc, on va faire 30 secondes à 90%, suivi de 30 secondes à 110%, suivi de 30 secondes à 150%. Donc, on veut vraiment aller réveiller les jambes, on veut vraiment aller travailler
les ondes cruciales d'aujourd'hui. Donc, les repos sont pas longs durant le build-up. Donc, vous allez voir, les derniers 30 secondes va faire mal. C'est ça l'objectif. Ensuite, on a un bon 3 minutes pour aller se placer sur la ligne de départ, aller commencer le training officiellement. On commence ça dans 20 secondes. Donc on commence ça avec 30 secondes à 90%. Hop. On relaxe, 20 secondes facile. Donc puissance au choix. Il nous en reste 2. OK. Trente secondes, 110%. Hop. On relaxe. Last one qui s'en vient. Celle-là. 150%, donc on ouvre les jambes. Hop. 150% pour 30 secondes. On relaxe. Good job tout le monde. On relaxe. On prend notre souffle. On a un bon 3 minutes et demie facile. On va repartir ça sur un chiffron. On va repartir ça à 21 minutes. Donc dans exactement 3 minutes 20, n'oubliez pas de boire de l'eau. On a Tristan Calatarion, qui nous dit « Adam, as-tu un KOM préféré? Genre un segment que si quelqu'un te prend, tu vas immédiatement aller rechercher. » Genre tous les segments des Laurentides. Honnêtement, les Laurentides, c'est plus genre 4 minutes, 5 minutes, les segments qui sont vraiment genre famous, si on peut dire. Donc, on a la Côte-Saint-Anne, on a la montée du Mont-Olympia, on a la montée du Mont-Saint-Sauveur. Donc, tous les segments qui sont vraiment, vraiment convoités. Mais je te dirais que c'est tout entre 4 et 5 minutes. Le segment le plus convoité, c'est le dernier segment du shootout des Laurentides, donc la dernière bosse du shootout des Laurentides. C'est un segment de 5 minutes et demie. C'est James Piccoli qui l'a en ce moment. Il a monté la bosse 5 minutes et demie à 468 watts. Je le sais par cœur parce que j'ai essayé plusieurs fois de le battre. En plus, c'était à la fin d'une ride de 140 km. James, je pense qu'il m'avait pris 15 secondes sur
sur la dernière bosse, puis il avait fait 462 watts, comme je vous dis, à 63 kg sur 5 minutes et demie. Moi, j'y m'avais décroché, puis même s'il m'a pris 20 secondes sur la montée, j'avais fait 498, je pense, après une ride de 4 heures à côté. Donc, c'est ça, je vous dirais, le KOM du shootout des Laurentides dans le coin de la gare de Prévost. Selon moi, c'est le KOM le plus convoité dans les Laurentides. On pourrait dire qu'à part Camille Hood, il va falloir que vous me convainquiez que c'est un segment plus convoité que ça. Donc, on commence ça dans un petit 50 secondes avec une pyramide de vitesse. Donc, la même pyramide qu'on a faite la semaine passée. Ow! Pour les autres qui n'étaient pas là, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, pendant 5 minutes, on va augmenter la cadence. Ensuite de ça, pendant 4 minutes, on va la redescendre. Donc, on commence sur une gear, donc sur une vitesse. Vous allez regarder votre vitesse. Puis on change pas de vitesse. Donc on commence à 30% du FTP à 90 RPM. Donc en ce moment, je suis en plein dessus, je suis chanceux. Donc je suis à peu près à 30% de mon FTP. Puis si vous regardez juste en haut ici, je suis à 90 RPM. Donc on augmente graduellement sans changer de vitesse. Donc on change pas de vitesse, c'est vraiment ça le mot d'ordre. Donc on commence, on a déjà commencé. On est à 30% à 90 RPM. Donc, comme je vous dis, on va augmenter de 10 RPM à chaque minute. On va faire ça pendant 5 minutes. Puis ensuite de ça, on va redescendre. Donc, ça fait comme une pyramide. Donc, les watts vont augmenter naturellement puisque on va aller chercher plus de cadence. Donc, on ne change pas de vitesse, tout le monde. On reste sur la même vitesse. On a Vincent Arpin. En revenant sur les KOM, il dit le king des Laurentides, lâche pas James, vole tes couronnes. Ouais. Ok. Donc, on augmente ça à 100 RPM. Hop. On reste sur la même vitesse. Donc, comme la semaine passée, pour les nouveaux. Regardez votre vitesse en arrière, on ne change pas de vitesse, que j'en vois pas un faire ça. Ok, donc on augmente à 100 RPM. Vous allez voir là, ça prend un bon... notre objectif, c'est pas de kicker comme des fous. Donc, allez-y graduellement pour aller chercher votre cadence. Pas besoin de faire un sprint à 1000 watts. Sauf si vous jouez avec Joachim, nouveau signé du clan Nox, le clan Nox qui sera bientôt World Tour. Donc, on augmente ça à 110 RPM. Hop! 110 RPM tout le monde. On reste stable là. Les deux prochaines, les trois prochaines, l'objectif c'est vraiment d'avoir un bon coup de pédale et de rester stable sur le vélo. Donc comment on fait ça? On s'assure de bien fouetter le pied. On est plus que 70 en live. Une méchante grosse gang dans leur sous-sol. Une méchante belle communauté de bike. Ça va aller vite cet été. Donc on augmente ça à 120 RPM. Hop!
Là, il va vraiment falloir qu'on rabaisse un peu notre centre de gravité sur le vélo si on veut être à mesure d'être plus stable. Vous pouvez même vous mettre dans les drops. RPM up. Let's go tout le monde, last one. Relax, 120 RPM. Ça va se faire tout seul en descendant. Je vous le dis. RPM, on relaxe. Ça va commencer à être en contrôle. On fouette bien le pied. Relax, 100 RPM. Ah, ça dit bien. C'est bon, on approche déjà la dernière partie du workout. On garde ça à 100 RPM tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas pour vous, mais ça réveille, hein? Les mardis machines. Pourquoi je ne dors jamais le mardi soir avant 1h du matin? On relaxe 90 RPM. Last one, la pyramide. Là. Commencez à penser à vos mantras. On va avoir un bon 3 minutes
avant de commencer les 3 minutes. Donc, on veut s'encourager. On garde la transition. La tradition, désolé. On garde la tradition. Puis on s'assure de s'encourager, de se donner un peu plus de jus mutuellement. Donc, écrivez votre mantra à partir de maintenant. Go! Dans les commentaires. Vous savez le mien. On l'a dit au début, mais je vous rajoute guerrier. Donc, on finit ça dans 10. On a Joanne ici qui nous dit « Les mardis machines, c'est pas pour les doux. » En effet. Amen. OK, donc on relaxe. 3 minutes faciles, puissance au choix. On rentre dans le mindset. Les 5 prochains intervalles, ça va être vous contre vous. Donc, je ne peux pas vraiment faire grand-chose pour vous. La seule chose que je peux vous faire, c'est de vous donner des petits trucs. Donc, prenez le temps de relaxer. Comme j'ai dit, on approche un bloc de 5 fois 3 minutes avec 2 minutes de repos. Donc, on peut avoir le repos comme si on montait une côte pendant 3 minutes puis on prenait le repos en redescendant. Et ensuite de ça, on fait 1 minute 30. Pas au max, juste à la même puissance du dernier 3 minutes. Donc vous allez voir, c'est pas si pire que ça aujourd'hui, je vous le dis. Il nous reste 2 minutes, tout le monde. On a Vincent Arpin qui nous dit que son mantra, c'est showtime. Yes, sir, Vincent. Bon choix. Ah ouais, donnez vos mantras, qu'on ait un petit 3-4% de plus pour nous permettre de sortir de notre zone de confort. On recommence ça dans 1 minute et demie. On a Xavier qui nous dit « La détermination apporte l'amélioration. » Yeah, j'adore. Merci Xavier. Pensez-y. C'est très vrai. D'être capable de passer à travers l'inconfort, d'être capable de push through, comme on dit en anglais, c'est sûr et certain que ça va nous permettre de s'améliorer. Si on sort jamais de notre zone de confort, l'amélioration va être très lente. Donc on veut s'assurer d'être déterminé dans l'inconfort pour être en mesure de bien faire le travail. Donc on se rappelle, là, il va y avoir des passés toxiques qui vont venir. Pendant les 3 minutes, vous allez vous dire « Ah, je suis parti trop vite. Faut que je ralentisse. » Whatever. Aussitôt que ça arrive, on se concentre sur la job qu'on a à faire. Donc, qu'est-ce qui est important dans le moment? Qu'est-ce qui est important dans le moment? C'est de finir l'intervalle du moment au meilleur de nos capacités. Donc, les 3 minutes, on les fait à meilleure moyenne. Donc, on part pas trop vite. Notre objectif, c'est que notre premier 3 minutes soit à la même puissance que notre dernier 3 minutes, quitte à faire les derniers 3 minutes plus fort. Donc, allez-y conservatif. Donc, on commence ça dans 5 secondes. Moi, j'attache mes souliers. Hop! Donc, 3 minutes, meilleure moyenne. Moi, je vous conseille, là, dépendant de vos forces et de vos faiblesses, ça va être à peu près 115 à 130% de votre FTP.
On relaxe. 2 minutes faciles. Good job tout le monde. Donc vous allez voir là, vous avez sûrement remarqué, dans les 3 minutes, je ne vais pas dire un mot. Premièrement, parce que je suis bien trop dans le tape, mais principalement parce que je veux vraiment que vous rentrez dans votre bulle, que vous soyez pogné dans vos pensées, un peu comme dans une course, que vraiment que vous soyez capable d'avoir le bon mindset sans avoir à se fier sur mes commentaires ou être distrait par mes commentaires. Donc l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans notre bulle, un peu comme l'entraînement de contre-la-montre qu'on avait fait l'année dernière, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, pas de commentaires durant les intervalles. Je veux que ça soit juste vous, votre respiration, votre coup de pédale, puis vos watts. Donc, on repart ça dans 20 secondes pour le prochain mantra. Pour notre prochain intervalle, on va prendre le mantra de GF qui nous dit que l'inconfort rend plus fort. Donc, quand vous commencez à être dans le rouge, dans le prochain intervalle, rappelez-vous, l'inconfort rend plus fort. Sans l'inconfort, on ne peut pas se dépasser. Sans l'inconfort, on ne repousse pas nos limites. Sans l'inconfort, on n'avance pas. On reste à la même place. Puis si on n'avance pas, par définition, on recule puisque le temps avance. Donc, hop, 3 minutes. Meilleure moyenne, environ 115 à 130% de votre FTP.
On relaxe. Good job, tout le monde. Ça reste 3. Respire bien. On va faire descendre les pulses. Good job tout le monde. Let's fais le focus et sur la prochaine intensité. La prochaine intervalle. On est tous là-dedans ensemble. On est tous dans le sol, dans le même bateau. Il me reste une minute de repos. Pour notre mantra, la prochaine intervalle, on a Christelle qui nous dit que son mantra c'est « You the queen ». J'adore. Pour les gars, « You're the king ». J'ajouterais à ça « You're the queen » ou « You're the queen, the king » seulement si choisis le choix le plus optimal dans le moment. Donc seulement si tu donnes le meilleur effort que tu peux donner dans l'intervalle en ce qui nous concerne. Donc on garde ça en tête. You're the queen, you're the king. Let's go tout le monde, on start ça dans 5 secondes. 3 minutes. Hop! 115 à 130%.
On relaxe. Il en reste deux. On respire bien tout le monde. On a une demande spéciale du King Vincent Arpin qui demande un extra break. Time out. Extra break. Il nous reste 2 minutes tout le monde avant de recommencer le prochain 3 minutes. Un petit cadeau de Vincent. Il en reste juste 2 intervalles tout le monde. On profite de ces 2 minutes-là pour se refaire une santé. Je vais être honnête avec vous. C'est très dur pour moi mentalement en ce moment. Je suis pas dans une bonne journée. Si vous êtes comme moi à la maison, c'est dans les moments comme ceux-là, dans les moments qu'on struggle un peu plus, qu'on a l'opportunité de se distancer de nos adversaires. Tout le monde est capable de faire l'entraînement sans abandonner quand ça va bien. Peu sont capables de faire l'entraînement jusqu'à la fin sans abandonner à leur meilleur de leur capacité quand ça va mal. Donc, si vous êtes dans une période un peu plus dure en ce moment, ou si les intervalles vous font très mal, profitez-en pour vous dépasser au max. Puis si ça va bien, bien, profitez. Profitez de la satisfaction, profitez des sensations. On a Xavier ici dans les commentaires qui nous dit merci Vincent. Je pense que tout le monde t'aime en ce moment Vincent. Donc pour notre mantra, on va faire le mantra de François Ménard qui nous dit « To give anything less than your best is to sacrifice the gift. » Exactement. On est tous uniques. On a tous les attributs, des qualités spéciales. Mais de ne pas être en mesure de donner notre meilleur, ça ne nous permet pas de tirer profit de ces qualités-là. Donc, c'est de sacrifier notre cadeau, le cadeau qu'on a reçu en ayant toutes ces qualités. Donc, to give anything less than your best is to sacrifice the gift. C'est notre mantra. Let's go tout le monde. Hop, 3 minutes. On part ça. C'est l'avant-dernière.
On relaxe. Good job tout le monde. Il nous reste une minute et demie pour relaxer. Donc allez-y pour marquer votre mantra, pour nous dire ça va être quoi notre mantra pour la prochaine intervalle. On commence ça dans 20 secondes. Let's go tout le monde, ça va super bien. Last one, la dernière c'est la plus facile. Let's go tout le monde, on survit. Hop! 3 minutes.
On relaxe. Good job, tout le monde. 2 minutes faciles. Donc là, il en reste un.